Bonjour tout le monde, coucou, allô, 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 public du TAC 509, tout haïtien connecté, ses amis nos génies qui là avec nous. Jeudi a encore une fois pour vous présenter une de ces innombrables rubriques. Pas oublier, nous sommes TAC 509 qui veut dire tout haïtien connecté, c'est pour nous tous rester connectés d'une façon ou d'une autre. Et comment pour nous faire ça plus bien, c'est dans cher vidéo, c'est dans abonner à la chaîne pour nous faire offert de toutes vidéos que vous mettez pour nous. Vidéos qui très éducatives, qui ka fori tout. Et vidéos qui apprennent des informations sur des sujets qui sont importants. Jeudi, à moi, je viens parler d'un sujet qui est très, très important parce que son sujet le plus souvent que nous évitons parler, que nous pas parler de lui du tout et qui rend nous inconfortables. C'est un genre de, ou une caractéristique d'un sujet qui tabou. En effet, moi, je viens parler de la mauvaise haleine ou halitose. Mauvaise haleine à qui ça lié? Comment qu'a traité-t-elle? Comment pour dire au monde ça? Tout ça, c'est toute information ça que n'a pas été pour vous aujourd'hui. Mauvaise haleine ou halitose, les touchait 25 à 50% de la population. Et jusqu'à présent, malgré tout, c'est un sujet qui est tabou, dont tout le monde ne parle pas. Et le fait qu'on parle pas là tout et qu'on parle dix mois ça tout, donc mon yo parle à un médecin pour traiter. C'est une maladie qui ca traiter, mes amis. La halitose, les touchait. Il touche trois fois plus garçons yo que femmes yo et son maladie qui a attrapé au niveau que l'âge là a augmenté. Le plus souvent, dans 85% des cas, nous associons maladie mauvaise haleine à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. À savoir que nous toujours pensons que c'est parce que nous n'avons pas brossé dans le bien ou bien parce que les mal fait ça. En tout cas, nous venons craser tabou ça. Ce n'est pas seulement une mauvaise hygiène bucco-dentaire qui causait maladie mauvaise haleine ou halitose. Il y a l'autre bagaille tout qui a causé. Et qui ça qui responsable mauvaise haleine ou halitose surtout dans la bouche? C'est nous avons une équipe bactéries dans la bouche non qui pas besoin d'oxygène pour multiplier. Il y aurait les bactéries ça des bactéries anaérobiques qui côté situé dans bouche yo situé dans dent dans fond dent et yo situé sous langue jusqu'au fond pratique que nous pas ka toucher yo. Donc c'est peut-être ça l'important lorsque n'a brosser dans nous pour nous faire ça bien pour nous suivre technique de haut en bas le brosser léger en tout cas. C'est pas ça nous vienne parler jeudi, c'est pas comment pour nous brosser dents que vienne pour et présenter nous jeudi. Donc mis à part mauvaise hygiène bucco-dentaire que dans 85% des cas qui responsable mauvaise haleine. Nous avons l'autre bagaille qui est responsable de ça tout. Par exemple, nous avons utilisation ou consommation abusive de tabac. Ou encore, nous boire café en pile, nous manger l'ail, nous manger les oignons. Bagaille ça a tout qui a causé mauvaise haleine. Il y a des maladies tout qui a causé mauvaise haleine. Telles que l'hormone diabétique, ou bien l'on a des problèmes dans le rein, l'on a des problèmes de foie. Ou encore, les ou, le ou gen maladie qui rele sinusite, ça vouloir respirer par la bouche et non que pas respirer par le nez, ça également ka cause mauvaise haleine. Donc c'est pour nous faire très attention lorsque nous gen un monde en particulier un proche qui nous remarque à dégager une mauvaise odeur buccale. C'est pas toujours parce que le pas bien brossé dents ou bien parce que le gon carie qui maltraité qui fait que li gain mauvaise haleine. Mauvaise haleine, dans tous les cas, un résultat d'une maladie interne. Les cas, c'est foile qui gain problème, c'est quoi, c'est doigts sérènes, ou bien, son monde qui diabétique et que n'est pas connu s'il fait maladie, hein. Donc, faut que nous très, très prudents lorsque nous abordons le monde sur point ça parce que c'est un fait gênant pour ou dire au monde, yo, tu ou à une mauvaise haleine. Donc, évitez pour nous rendre mon mal à l'aise. Au lieu pour nous utiliser la phrase blessante, la phrase qui tue, mieux vaut ou dire mon nom, faut aller au médecin pour garder pour être sous pas, qui ont problème nan rein, ou bien un problème foie, ou bien sous pas diabétique, parce que li gon conséquence, li gon conséquence sous odeur que vous avez dégagé. Donc, il y a des,
différentes manières pour aborder mon nan sujet sous sujet ça sans que pas blesser sans que pas froisser parce que le plus souvent li ka un résultat on malaise que mon nan pas même te konnen même. Comment pour détecter sous gen mauvaise haleine? Gen deux techniques, c'est pas seulement deux techniques ça gen qui gen l'autre. Ou gen droit mettre main en porte-voix. Tu souffles ou souffler and then wap souffler dans main, tu mets ou mettre main en porte-voix ou souffler là-dedans ou ka garder ou ka wè sous gen mauvaise haleine tout. Ou bien l'autre principe encore, ou ka mettre poignet ou passer langue et pour quitter le sécher pendant quelques secondes. Et puis ou prend sainte li et ou prend sainte li ou ka wè comme si sou gen mauvaise haleine ou pas. Maintenant comment pour traiter mauvaise haleine? Traitement naturel pour ça, même j'ai tout gen traitement que médecin ka suggéré tout gen de médicaments médecin ka suggéré pour prendre pour combattre maladie ça. Méthode naturelle yo simple. Ou ka, il faut boire régulièrement de l'eau et il faut booster la production de salive avec la consommation de l'orange, du jus de citron. Ou ka également mâcher du persil ou encore sucer des clous girofle avec cannelle. Ou ka également tout la comme si visite régulière chez le médecin li important tout. Pour ka tout ka déterminer si ou pa gen mauvaise haleine ou pas ou ka traiter le tout. Également comme autre mode de traitement ou que te dit que mâcher persil, boire régulièrement de l'eau, boire du jus de citron et sucer des clous de girofle ou de cannelle et puis booster la production de salive parce que faut connait que salive là tout li vraiment important pour aider combattre mauvaise haleine lorsque on bouche qui sèche li plus facile pour attraper mauvaise haleine donc pour ka booster production de salive vous pas négliger manger des oranges non boire un pile jus de citron et boire régulièrement de l'eau et éviter la consommation trop élevée de l'alcool du tabac de l'ail et de l'oignon. Moi pas dit pour pas boire alcool non, mais éviter la consommation trop importante de l'alcool. Également le tabac et le café également pour monde qui aime boire café yo qui pas lever non matin sans que le pas bon gobelet café, m'vin di nou que café en tout bay mauvaise haleine. Donc tout ça que n'a prend en trop grande quantité ka cause mauvaise haleine nan tout. Donc c'est peut-être ça li vraiment important pour nous limiter consommation bagay sa yo et li important tout pour nous faire très attention le comme si nous gen mauvaise haleine ou encore comment n'a di moun nan sa tout parce que c'est blessant nous connaît que c'est blessant mais si ou jwenn moun ki vin dou sa tout pa kouri joure li parce que c'est un manière lié tout pour le fort qu'on est que ou gon maladie peut-être que ou poko détecter qu'il a peut-être c'est foie ou qui gen problème peut-être c'est rein qui gen problème ou encore gen droit diabétique ou pas même comme ça c'est pas uniquement le pas brosser dents ou que ou ka attraper maladie qui les mauvaises haleine et halitose. C'est tout conseil ça que m'te vinn porter pour nous aujourd'hui hein. Pas utiliser de grâce ti phrase ou gain dit 3.6 fois seul ou ap di moun nan ça mieux vaut que di moun nan écoute li ta important pour garder pour vérifier sou pa comme maladie foie ou diabétique parce que li transparaît nan allez nous. Merci beaucoup, bonne journée. À la prochaine.